Alors, grande journée aujourd'hui, nous sommes le 1er avril. C'est très drôle, même l'univers se met à faire des poissons d'avril puisqu'il neige. Il neige depuis ce matin et aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'on va remplir les murs d'isolant, ce qu'on appelle souffler l'isolant. Alors on va aller jeter un œil. Ça fait du bruit. Des ballots qu'on achète comme ça, hop, on met à l'intérieur et qui passe. Youhou ! Voilà. Le Pierrot est en train de rajouter des agrafes parce que la machine souffle tellement fort, elle est puissante. Mais en fait, quand on remplit le caisson de web de cellulose, les agrafes pètent. Donc il faut en rajouter pour renforcer un peu. Et Laurent, donc là, il rentre le manche directement dans la structure, d'abord vers le bas, puis ensuite vers le haut. Et il injecte la ouate de cellulose que Thibaut remplit dans le camion sous forme de ballon. Et là, on voit vraiment bien, les murs se gonflent, c'est incroyable. Hein, donc on va en mettre dans les murs, dans le plafond et dans le sol. Donc ils ont déjà préparé les trous là hier pour pouvoir remplir ensuite le sol. Ça va Thibaut ? Je suis content, je travaille, il neige. C'est drôle d'isoler quand il neige comme ça. Ah oui, toi t'aimes bien la neige, c'est vrai. Ça avance bien. Et donc Pierre me disait qu'il y a 40 à 45 kg par mètre cube. C'est dingue hein ? Donc on en a encore toute une série là. Coucou à tous, petite vidéo aujourd'hui de résumé de la troisième semaine de chantier. Alors Thibaut, explique-nous ce que vous avez fait cette semaine, sachant que vous avez super bien avancé. Ouais, donc la phase importante cette semaine, c'était l'isolation du bâtiment. Et donc, pour pouvoir insuffler, il y avait tout un travail préparatoire à faire. Donc on a commencé par l'extérieur, donc boucher tous les trous au niveau de la toiture. Et puis on est rentré dans le bâtiment et alors on a installé le fameux pare-vapeur qu'on est venu fixer sur la structure du bâtiment, un agrafe, donc il y a eu plus ou moins 8000 agrafes qui ont été placés pour fixer le pare-vapeur. Une fois que le pare-vapeur est mis, on a mis toutes les lattes au mur et au plafond. Donc ça c'est ce qui permet de rigidifier l'ensemble et d'empêcher l'intello de se retirer quand on insuffle l'isolant. Donc ça a pris pas mal de temps. Et puis après aussi, quand on place l'intello, on vient mettre une bande pour faire l'étanchéité entre le film et l'intello. Donc ça demande pas mal de temps. Et alors vendredi, donc on a insufflé le bâtiment en entier. Donc on a mis plus ou moins 900 kg d'isolant. Donc c'était la ouate de cellulose. On a su faire tous les murs, le plafond, mais malheureusement pas le plancher, parce qu'il nous manquait un peu de marchandises. Mais c'est pas grave, parce que ça ne nous bloque pas le chantier, donc on insufflera quand on fera la maison. Mais si on n'est pas bloqué, on va pouvoir continuer les murs pour la semaine prochaine. Alors, bon, il y a un petit peu de nettoyage à faire, donc c'est pas grave, ça c'est un bon coup de balai. C'est vrai que c'est impressionnant quand on voit la manière avec laquelle on insuffle cet isolant, moi j'avais jamais vu ça. C'était très chouette, donc c'est Laurent, un professionnel qui est venu placer l'isolant. Toi Thibaut, tu as mis botte après botte dans le système, dans le mélangeur, voilà. Alors il y a quand même eu une petite difficulté supplémentaire cette semaine par rapport à la météo. Oui, effectivement, hier, sous la neige, c'était un peu plus dur, mais voilà, ça fait partie du jeu. La semaine passée, on était en t-shirt, et hier, ben, on était avec la doudoune, le bonnet, on a eu assez froid, mais voilà, encore une belle opération de fête. Donc demain, nettoyage du chantier, puis la semaine prochaine, on est reparti
Donc on va tirer toutes les lignes électriques pour le bâtiment et les points d'eau. Et une fois que les câbles sont tirés, on va pouvoir remettre l'OSB. Ok, combien de points lumineux tu prévois dans un espace comme celui-ci? S'il n'y aura pas grand-chose, on va mettre deux points, tout simplement deux points lumineux. Oui, un au-dessus de toi, certainement. Moi sur le mur ici. Allez, et un de l'autre côté, hop, ici, quelques prises quand même. Et quelques prises. Quelques prises, et au niveau du point d'eau? Pour le moment, on ne sait pas encore comment on va exploiter le bâtiment, donc là je vais juste mettre un point d'eau et puis on verra bien par la suite comment on amène. Oui, et prévoir aussi peut-être un point d'eau à l'extérieur et un point lumineux à l'extérieur aussi, pour permettre d'avoir quand même une lumière, par exemple, pendant l'hiver, ça pourrait être chouette. Très bien, on va aller choisir tout ça. Quel est le programme? Tu as dit que peut-être la semaine prochaine, si tu avais un peu de temps, tu allais démarrer peut-être le bardage aussi. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'on a choisi comme type de bardage, pourquoi, comment? Donc ici, on est parti sur un bardage, c'est un Douglas qui est traité, légèrement gris comme ça. Faussement ajouré, donc on a l'impression d'avoir un bardage ajouré, mais qui est plus simple à mettre qu'un bardage ajouré classique. Et traité comment? C'est ce qu'on appelle thermotraité, c'est ça? Thermotraité, donc il aura une teinte un peu grise comme ça, mais normalement qui ne bouge pas dans le temps, donc il est déjà traité. Donc ça c'est ce que j'ai, on a commandé la semaine passée, ça devrait arriver la semaine prochaine. Donc ici début de semaine, l'intérieur du bâtiment, et puis on enchaîne en fonction du temps sur le bardage extérieur. Alors, il y a une troisième personne qui va sans doute s'ajouter là dans les prochains jours. Donc pour l'instant, c'est Pierrot et toi qui avez travaillé essentiellement. Bien sûr, on a le terrassier qui est venu travailler, Laurent qui est venu poser aussi l'isolant. Donc on a toutes sortes de personnes qui participent aussi au chantier directement. Et puis là, il y a François qui va venir te donner un coup de main. Il est prévu surtout pour la deuxième structure que vous devriez démarrer juste après les congés de Pâques. Voilà. De Pâques, et donc ça c'est très chouette. Oui, parce qu'on dit qu'il a neigé, mais on était le 1er avril hier, parce que c'est étonnant. On n'a pas du tout démarré le chantier en plein hiver. On a décidé de démarrer le chantier au printemps, mais on a aussi des petites surprises comme celle-là. Il faut faire avec. Alors c'est dingue aussi la différence d'insonorisation, vous devez l'entendre aussi même dans la vidéo. Maintenant que c'est isolé, c'est plus du tout le même son dans le bâtiment. Il y a 20 cm d'isolant dans les murs, donc oui, c'est une fois que les châssis vont être mis, juste un petit point. Même le petit poêle, ce sera plus pour faire joli qu'autre chose. C'est un bâtiment qui va chauffer très très vite. Et c'est vraiment une bonne technique d'isolation. Voilà, on expérimente. Donc le poêle qu'on a prévu, c'est un poêle qu'on a déjà en fait, qu'on n'utilise plus depuis quelques temps, qui est en attente dans une cave et qui va être réinstallé ici. Donc effectivement, comme tu le dis, ça suffira amplement. Et c'est un poêle au gaz. Parfait. Ça me semble super. On avance vraiment bien. Quel est ton ressenti peut-être pour terminer cette vidéo là au bout de la troisième semaine? Super expérience, qui est vraiment très très bien à faire quand on le fait soi-même, c'est que chaque jour est différent. C'est pas trois jours, deux jours les mêmes. Donc on fait vraiment de tout, c'est vraiment très très gai. Le moral est là, l'ambiance est là, et le beau temps va revenir, donc ça va être super. Alors il ne faut pas oublier non plus que derrière le travail manuel qui est nécessaire dans ce type de chantier, il y a tout un travail autre que tu fais souvent tôt le matin en te levant. C'est la gestion des commandes, la gestion des paiements, le suivi en fait administratif, et puis tout l'achat des marchandises aussi, en sachant qu'il faut toujours anticiper évidemment l'étape d'après, sinon on perd du temps entre les éléments. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé lundi pour aller chercher le bardage bois. Donc c'est important aussi de le dire, ça fait partie du boulot. Oui, c'est vraiment très très important d'anticiper les achats pour pas être bloqué un jour sur chantier. Donc il faut penser à tout. Cette semaine-ci, il y a eu la commande du bardage, même si je ne l'ai pas encore placé. J'ai commandé le bardage, j'ai commandé les bois pour la suite du bâtiment. Il y a le technicien Norès qui est venu valider pour le raccordement électrique. Donc il y a toutes ces petites choses-là qu'il faut anticiper pour ne pas envoler, pour trouver sur une semaine ou 10 jours en attendant les marchandises. Donc c'est vraiment très très important de le faire, d'anticiper les travaux. C'est ça qui fait de toi un bon gestionnaire et bientôt un bon ouvrier. C'est super, merci Thibaut, à plus tard, à la semaine prochaine. Salut.